Merci, mademoiselle. J'ai déjà entendu votre voix. Vous savez... Je crois pas, madame. Air Force. Alors, où avez-vous eu ça? Salut, chérie. C'est qui? Tu le connais? Non. Où t'as volé ce badge? Traîné. Tu dois gagner ça. Avec le sang. Marc, du calme. Il lui manque une jambe. Oh, il manque une jambe. Voyons alors. J'aurais fait de ta vie un enfer. Mais il semble que tu as déjà ta punition, idiot. Partons d'ici. Comment osez-vous ruiner la réputation des forces armées? Ce sont des héros qui nous protègent. Si seulement elles savaient que je suis Jack Lucky. Du moins, je l'étais. Et maintenant, ce chevron est tout ce que j'ai quitté de ma vie antérieure. Je devais donc le récupérer à tout prix. C'est moi, donc j'ai le droit de tirer. Tu ne le feras pas. Vous êtes sûr de ça? Oui, j'en suis sûr, parce qu'il y a 10 ans, on était ensemble. Serviette de table, nachos. Vous savez tout ça. Je n'aurais pas dû venir ici. Je te croyais mort. Je pleurais pour toi. Le Jack que tu connaissais est vraiment mort. Bien sûr. Le Jack que je connaissais n'aurait pas fait semblant d'être handicapé et menti aux gens. Parfois ça arrive. Et c'est la seule façon d'obtenir au moins une once de compassion. Chérie, je suis là. Hey, tu fais quoi dans mon bureau? Je suis désolée, je voulais juste laisser entrer un peu d'air frais. Oh, d'accord. Merci. Marc, je n'arrête pas de penser à ce sans-abri. Peut-être que c'était Jack Lucky. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Lucky est mort. Je sais pas pourquoi. Il me semblait familier. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, tu devrais aller voir ce pauvre type et... Si c'est un vrai vétéran, tu pourrais l'aider. Jack Lucky a fait beaucoup pour le pays. Ouais, d'accord. Pour le pays. Je vais y réfléchir. Merci. Je crois que c'est à toi, Cowboy. Alors, c'est vraiment toi, Lucky. Je suis désolé, je ne savais pas que ta vie était arrivée à ça. Et je devrais faire quoi? Mon pays m'a oublié. C'est pour ça que je suis là. Je peux te réintégrer. Alors, Lucky, tu veux encore porter ton uniforme? Hein? Tu peux même retourner dans les cieux. Tu servirais sur le flanc est, dans une base quelque part en Europe.
Lucky, t'en penses quoi? Ça serait un honneur, monsieur. Bien. D'accord. Alors, ils t'attendent... au siège. Ouais, alors dépêche-toi. Merci. Merci, colonel. Le flanc est. Il essayait de m'éloigner le plus possible de sa femme. Mais... je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque. Ok, on est prêt à transférer des chasseurs F-16 jusqu'en Ukraine. Ouais. J'ai déjà dit de... Désolé, monsieur. C'est très urgent. Lucky ? C'est toi ? Je ne t'ai pas vu depuis 10 ans. Viens ici. Mais je croyais qu'on t'avait perdu dans la mission. Bon, il est temps de ressusciter d'entre les morts, hein. T'as pas perdu de temps, hein. T'as échangé le cockpit pour un bureau confortable? Ouais. J'ai serré quelques mains, ici et là, tu sais. Ouais, allez, assieds-toi. Alors, dépêche-toi de tout me raconter. Eh bien, j'étais sur une mission où j'étais pas censé être. Et j'ai fait un vol que j'aurais pas dû faire. Mais... on peut faire quoi contre le haut commandement? Ouais, le haut commandement. Tu sais, je te cherchais à l'époque. Ces ordres étaient étranges. J'ai suivi la chaîne de commandement. Et j'ai découvert que le haut commandement... était en fait Mark Rushford. Quoi? Alors il m'a piégé. Ouais, il t'a envoyé en Afghanistan. Il était responsable de la mission, quand t'as été blessé. Fils de... Pourquoi on n'a pas enquêté sur ça? Il devrait être en prison. Je devais classer les documents. Quoi? Ça aurait compromis la mission et toute l'armée de l'air. Qu'en est-il de la justice? Eh bien... parfois, il faut prendre certaines décisions très difficiles, tu sais. Si seulement je savais que t'étais encore en vie. Peu importe. C'était il y a 10 ans. Tu sais, je suis plus intéressé à savoir si le rat du bureau peut faire sans pompe. Papa va te montrer. Allez, par terre. 5. 6. 8. C'est tout, mec. Je dormais beaucoup. Ouais, je vois. Voyons si tu peux en faire ça. D'accord. Mais tu comptes. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, 23, 24, 25, 26. Et à tous les guerriers qui, dans les moments les plus sombres, choisissent la lumière. Capitaine, merci pour ces mots aimables. Lieutenant. On pensait que vous étiez mort. Je l'étais. Mais grâce au colonel Rushford, je suis revenu à la vie. Un jour, je vous revaudrai ça. Au lieutenant Lucky! Je dois aller voir la tarte. Viens avec nous, lieutenant.
Gina, je... Va-t'en d'ici. Écoute, je voulais tout t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu m'as utilisé, que tu m'as largué et que t'as disparu pendant 10 ans? C'est un peu tard pour les explications. C'est pas comme ça. Allez, file. C'est Marc qui m'a envoyé en Afghanistan. Quoi? C'était son plan depuis le début pour nous séparer. On n'aurait jamais été ensemble. Mais j'ai survécu. Et toutes ces années, je me suis réveillé et je me suis endormi en ne pensant qu'à toi. En 10 ans, mon amour pour toi n'a pas diminué d'une once. Mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais en vie? T'as eu une vie meilleure que je ne pourrais jamais te donner. C'était un officier et j'étais... sans abri. Je t'aurais accepté de toute façon. Ça va se terminer ce soir. J'ai les documents qui prouveront qu'il est coupable. Il va aller en prison. Et on sera ensemble. Mesdames et messieurs, je veux dire quelques mots. Tout le monde ici sait ce que c'est de combattre l'ennemi. Un ennemi qui est fort et dangereux. Mais il y a d'autres ennemis. Des ennemis... sournois et rusés, ceux qui ne connaissent pas le mot honneur. Certains d'entre eux peuvent être parmi nous. Il est temps de mettre la lumière sur les traîtres et rendre justice. Ouais. C'est ça, lieutenant. C'est ça. Les traîtres peuvent détruire notre pays de l'intérieur. Alors les mesures doivent être aussi sévères que possible. Messieurs, c'est lui. Et c'est quoi ce truc? Quoi? Tu pensais vraiment que tu pourrais t'en tirer en espionnant? Emmenez-le loin de ma vue. Non, je suis accusé d'un crime! C'est un traître! Patrick, tu vas le laisser faire? Tu pensais vraiment que j'étais si stupide, que je ne te verrais pas voler mon dossier? Il est innocent, messieurs. Qui a volé les documents secrets? Ils ne sont plus secrets maintenant. J'ai donné l'ordre de les rendre publics. Donc, lieutenant Lucky n'a enfreint aucune loi. Tu penses faire quoi, commandant? En plus, je vais ouvrir une enquête des affaires internes sur l'inconduite du colonel Rochford. Il sera dorénavant détenu jusqu'à la décision du tribunal. Arrêtez-le. Tu te prends pour qui? Je vais vous détruire tous les deux. Ne me touchez pas chez moi. Je peux marcher tout seul. Colonel, il faut gagner ça avec le sang.